Donc, je recommence mon petit setup. On va aller faire nos missions 160. AFK, comme avant, pour les anciens joueurs, là, le petit gel bill qu'on a toujours utilisé avec les flash muraux. Là, ce qui va arriver en ce moment, j'ai choisi de ne plus jamais utiliser pour ce type de construction-là de build. Ça ne sera plus le château de glace. Le roi des glaces, il s'en va en soutien. Je vais utiliser maintenant, surtout aujourd'hui pour la mission, l'alerte. Ce sera avec Rongemur et Tempête glaciaire. J'ai un autre constructeur avec moi, alors j'ai choisi de prendre Kyle constructeur de base. Être en solo, ce serait toujours Kyle constructeur de base. La différence, c'est que si j'ai pas mon ami avec moi qui va jouer Nox pour rendre du PV au mur. Je vais simplement changer là, les pièges. Je vais utiliser rendre 4,8% sur le piège à la place du constructeur. Du coup. Donc là, maintenant, je vais aussi utiliser piège robuste. Le harpeur machiniste va faire partie de ma compo de héros. Simplement parce qu'on va utiliser beaucoup de reload speed, beaucoup de vitesse de rechargement sur les pièges. Donc voici, c'est une compo qui était fixe, écoute, qui est constante. Je vais changer mon commandant simplement dépendant de l'alerte de la mission. Voici, on va y aller. Ensuite, le pourquoi ça fonctionne vraiment, vraiment bien du coup. Si on ne veut pas que les carcasses disparaissent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que les carcasses, les zombies, ça mange tout le temps un petit peu de dégâts. C'est tout. Tant il y a aussi longtemps qu'ils se prennent du dégât, ils vont pas despawner. On va venir simplement mettre au fond de la box, dans notre plancher, un petit piège gris. Petit piège bois, de bois gris, en fait. C'est tout. Ils vont jamais mourir et puis ça va être comme avant, en fait. C'est AFK d'un bout à l'autre. Ça fait 7 missions, 7-8 qu'on fait. Ça s'est très, très, très bien passé. Là, j'ai soif. Écoute, tout ça, j'ai parlé beaucoup et j'ai expliqué le truc. J'ai voulu faire là, une vidéo. Écoute, là, je vais faire un petit live ici, comme ça, pour avoir ça là, pour mes amis, surtout, qui se posent la question. Rapidement, ensuite, je m'en vais, je retourne, je vais changer de live, en fait. De base, c'est pour rapidement répondre à plusieurs questions, surtout sur les nouveaux joueurs. Après, tous ceux qui se posent énormément de questions. Salut poulet, ça va? Plein de questions qui se posent. Donc là, je vais faire ça comme ça. Après ça, je vais changer de live juste pour qu'on ait une petite vidéo qui reste déjà en ligne pour que tout le monde puisse y accéder. Ouais, ben écoute, oui. On a trouvé la solution finale. Là. Ça n'a pas été bien, bien compliqué. En fin de compte, c'était juste y réfléchir. Fait qu'on retourne à l'ancien build qu'on faisait, le gel build avec les flash muraux. Puis, ça se fait en solo. J'ai quelqu'un d'autre avec moi, du coup. Là. On a chacune une base, on recycle du métal, puis c'est ça. Pendant qu'on attend que le petit robot parle, que la mission se déclenche. J'explique vraiment la différence avec tous ceux qui font des vidéos, là, c'est pas clair. Là. Pourquoi le build il va très très bien fonctionner, pourquoi ça va marcher dans les endurances, pourquoi on va s'assurer qu'ils vont pas despawner, parce qu'on va mettre au fond de la box un petit pieu qui va nous assurer simplement que les carcasses se prennent toujours un petit peu de dégâts du coup. Ils vont pas despawner comme ça. Après, il faut savoir que là. Pour récupérer les données, il y a trois vagues en fait. Ça se passe comme ça. Le premier fichier, le troisième fichier, le cinquième fichier. Il ne faut pas s'inquiéter de ça de base, là. Ça va se passer comme ça. J'ai pas vu un mini-boss. On a croisé un fracasseur. Après, je ne sais même pas s'il était dans le spawn ou dans la carte, là. Pardon. Là, je voulais pas montrer, mais je l'ai dit. Bon, l'alerte, écoute, c'est
ronge-mur et tempête glaciaire. Là, ça, c'est pas pour dépenser des balles, c'est surtout pour juste, oups, cleaner ce qu'il y a alentour. Comme ça. Oupsi. Mon enduit. Ah, écoute, j'ai lancé ça aujourd'hui dans le but d'essayer des choses. Puis là, ben, moi, je suis maman, hein, là. En fin de compte, j'ai lancé mon bouclier, j'ai jamais rien fait. J'ai été occupée. Il n'y a rien qui s'est passé. Je sais pas. J'étais convaincue qu'il était juste pour me kicker, en fait, parce que, bon, c'est comme ça que ça se passe, là. Dernièrement, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne sais pas. Mais après, écoute, ça aussi, c'est ça. Là, en réfléchissant, là, le pieu de bois comme ça, il va être dans mes geysers, il va être partout. Partout, partout. Là, pour tout de suite, on va se concentrer ici. Ouais, j'ai juste en train de m'enfermer. On va venir entourer là, le plancher comme ceci. On va aussi, du coup, encadrer notre. Vas-y. Voilà. Là, ce qui va se passer, je vais vous montrer surtout. Bon, mais écoute, je vais vous laisser regarder comment Gégé fait ça bien fait, vite fait. On va venir ici. Ah, ok. C'est bien important, il faut l'attacher, ça, le cône, hein, parce que, voilà. Simplement, on va les propulser dans la petite box, comme dans le temps, comme toujours. Pour les nouveaux joueurs, ça, c'est nouveau. Sinon, c'est l'ancienne jailbuild qu'on a toujours fait. Ça va être les mêmes affixes de piège. Comme je dis, là, je vais vous montrer la grosse différence. On va prendre notre petit pieu de bois ici, là. Puis on va venir l'installer juste au fond, ici. Voilà. Dans nos box. Alors, en fait, là, ça va changer nos vies. Mais après, pour les enduits de. Moi, j'utilise énormément les geysers. Ils vont despawner dans les geysers d'une certaine façon, aussitôt qu'ils sont plus vraiment dans le jet, que tu n'as pas nécessairement de mur de son, quoi que ce soit. Ça va toujours être au plancher. Un ici. Un ici. De base, c'est simple, comme ça. Ce qu'il va falloir comme affixe ici pour le sol à projection. Impact, vitesse, impact. Vitesse 2 durant. Comme ça. Simplement. Un autre ici. Voilà. Là, ici, c'est bien important aussi. On va venir mettre notre flash muro, là. Le flash muro, en fait. Mural. Pardon. Là, c'est ça ici. Ça sera aussi 2 vitesses de rechargement. Là, c'est à prendre en considération. Que moi, je joue présentement avec Kyle, constructeur de base. J'ai Nox ici. Je ne vais pas aller niquer ma Dura pour les affixes de piège. Par contre, évidemment, c'est à considérer, là, regarde ici, advenant que je joue avec Nox. Bon, je vais alterner le PV des structures, le heal à la fin. C'est important aussi de le considérer quand tu joues, là. Là, j'en ai pas besoin. 2 vitesses Dura. On va en installer. Un. Simplement un. Ne jamais installer les deux, déjà, au départ. OK. Ici, même chose. Voilà. On va venir en mettre ouais, un. Comme ça. Ensuite, il faudra, oui, venir mettre le deuxième, mais on va faire ça après. Juste un, n'allez pas mettre de mur de son, n'allez pas mettre de propulseur, n'allez pas mettre de piège au plafond. J'ai vu plein de choses. C'est simple, ça fonctionne. Ne faites pas le contraire de ce que je dis. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais venez pas me dire que ça ne marche pas. Ici, mais on va venir utiliser un mur de son qui va être encore 2 vitesses de rechargement. Du coup, on y va. Ce sera ici. Même principe pour les affixes. Vitesse de reload speed. De reload speed. Paf. Comme ça. Et ici,
là, on se retrouve un petit peu coincé. Ça, j'aime plus ou moins ça dans ce temps-là. Ce que je vais faire, j'aurais dû même y penser, j'aurais dû faire un weak point. Du coup, parfois, quand ça se trouve comme ça, là, j'y ai pas pensé. Je fais une fenêtre dans le mur avant de mettre le mur de son. Ça fait un petit mur plus faible en PV. Bon, ça, oui, ça l'influence, les carcasses. Les zombies vont déjà être portés à venir frapper le mur, se diriger vers le mur plus faible. Là, j'y ai pas du tout pensé. C'est pas la fin du monde. Par contre, ici, je vais quand même venir mettre un petit mur de son. Qui sera mon fameux mur de son que j'utilise toujours à l'avant. Bref, comme ça. Voilà. Là, je crois bien que. Ben, premièrement, je vais monter en haut ici. Est-ce qu'on a mis. On a. Je sais pas, c'est-tu ma base? Ah, je ne remercie pas. Écoute, si c'est pas la mienne. Oups. On va le savoir bien assez vite. Je n'ai aucun souvenir. Je parle beaucoup. Ça, vous savez. Ah, ben voilà, c'était pas la mienne. OK. Ma bannière, parce qu'il y a des grosses chances que les abeilles me tuent ou me fassent du bobo, en tout cas. Sinon, GG, est-ce qu'on a tout? Je crois bien que oui. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Bon. Là, je vais préparer, c'est bien important, voilà. Mon autre piège, là, ce qui va se passer, c'est que on va venir s'installer, là, prêt, comme ça, se préparer. Quand le mur sera déclenché, du coup, quand il va flasher pour la première fois, on va compter. Une, deux, paf, on va mettre le mode de son. 2 secondes. OK, GG, I'm ready. Kinda ready. Vas-y. OK. Ah, le drone, ça, par exemple, c'est con, j'aurais dû attendre. Ça fait plus de carcasses. Sinon, on va attendre. Ils vont s'en venir tranquille ici. OK. Il va. Ça va être le même principe. On va attendre. Oups, lui, la vitesse, j'ai peut-être une petite affaire. Pas sûr. Mais sinon, du coup, c'est juste de se pratiquer ça, hein? Parce que oui, quand même, ça va avoir beaucoup d'importance en fin de compte avec le temps. Là, oupsie. T'as plus tang. Là, on va les voir dispawner, on va les voir se promener. Il va aussi avoir fichier 3, fichier 5. Ça va. Il va avoir. Voilà. Je m'ai fait une petite structure aléatoire. On n'a même pas de plafond. OK, oui. On va les laisser s'en venir simplement, tranquillement. Rentrer dans la box. Tranquille. Et out. Et puis là, normalement, ben c'est ça. On va être AFK, tellement AFK qu'il va falloir qu'on parle, on jase ensemble parce que ça va être plate. C'est vraiment plate. On s'est pas fait kicker, moi puis GG, mais écoute, c'est surprenant. Parce qu'on est en privé, on fait ça, mais on était vraiment terriblement AFK, sérieusement, là. Là, comme vous voyez, c'est le fichier 3. On va avoir un autre ce petit spam qui s'en vient, une autre vague, c'est normal. 5 aussi. On se casse pas la tête, c'est pas de notre faute. C'est comme ça que ça se passe, vous allez le remarquer aussi. Je fais le petit vidéo, mais sinon, après ça, là, je vais faire le live, je vais continuer, vous allez pouvoir vraiment constater là, que c'est comme ça. Si on se casse pas la tête, c'est des petites vagues, allez, ça s'en vient, vas-y. Après, mais là, c'est ça. Hein, des petits bugs de jeu encore, comme on voit, là, lui. Il danse, là. Hein, vas-y. Allez. Oups. OK. Ben voilà. Là, on va attendre 4, 5. Il devrait en avoir quelques-uns encore. Là. Bon, c'est pas beaucoup, là. Du coup, en même temps, aussi. Oups, il y en a qui sont derrière, là, je pense. Je sais pas. Ben oui, je crois. Ils vont devenir transparents, invisibles, hein? Ben voilà, fait que c'est ça. Ils deviennent invisibles. Là, on devrait être pas mal à AFK. Après, ouais. Oh, GG. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, un fracas. Ah, ben voilà. Tiens. Après, sinon, lui, c'est pas grave.
C'est le deuxième qu'on croise en mission. J'ai pas vu de minibus. C'est le deuxième fracas. Bon, ben écoute, si on voit minibus, on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Après, moi, je suis pas trop stressée. Ce qui arrive là, ce qui est le fun avec le type de construction, c'est que les box sont dans les coins. C'est en diagonale. Déjà, les carcasses, ils frappent pas sur les murs principaux, déjà sur les murs de la récup de données. Donc, si jamais t'es pas chanceux et chanceux en même temps, il arrive un mini-boss dans le meilleur des mondes. Il brise pas ta jailbox, il brise le mur de la récup, c'est pas sans pire. Je dis là, moi, je me suis pas soucié. Tout a bien été. On n'a pas eu de problème, pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Voilà. Peu de dégâts. On a tué un fracas, du coup deux en 8 ou 10 missions. Même chose. Tranquille. C'est constant. C'est vraiment c'est constant, comme je dis. Fait que là, ben, je peux rester comme ça. On va regarder. Puis sinon, c'est ça. On est AFK. De quoi vous voulez parler? Tranquille. Après, ben. Si vous cherchez la solution, le pourquoi que ça fonctionne et pourquoi c'est pour ça. J'ai vu plein de gens faire plein de trucs, là, les propulseurs, les murs de son. Il y a tellement de pièges dans la box, c'est abusé. Il faut savoir que les murs de son et les flashs muraux, ça va s'annuler, ça ne marchera pas. Les affixes sont importants et le moment où on va les installer aussi. Donc là, c'est mon truc à moi. C'est comme ça que je vais AFK mes missions, tranquille. Tranquille et constamment. Je vais encore me déplacer un petit peu, là, juste pour visualiser à quel point. Voilà. Easy. En même temps, c'est comme on faisait avant. Ça a toujours été comme ça. La différence, c'est qu'on va mettre un petit peu de dégâts. Bien, quand je dis un petit peu de dégâts, c'est vraiment un petit peu. Faire en sorte qu'ils ont toujours, 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 toujours un petit bobo. Puis là, c'est pour ça aussi qu'on va les mettre dans une box, s'assurer qu'ils sont tous à l'intérieur, qu'ils ont tous les pieds dans les pieux. Et puis là, comme je dis, on a recyclé du métal, on n'a pas utilisé nos champs de stase, ça c'est sûr, si jamais vous êtes dans la merde, le champ de stase, ça vaut toujours la peine. On va rester comme ça, on va discuter. Je vais vous montrer encore les pièges, en fin de compte. Ça, c'est de l'abus. De l'abus de YouTube. Pub, caca. Tiens. Donc, je m'attendais pas jamais à aller dans ma collection retirer un piège, payer pour ça. Aller farmer. J'étais allée à Fontainebleau. Écoute, on était allé chercher des ressources pour faire le pieu. La petite corde, ça fait longtemps que j'ai pas ça. Parce que du coup, ça prend des ressources. On a farmé, on a échangé. Après, bon, ça vaut tellement la peine que ça change une vie, là. Les enduits, pareil, pareil, les enduits. Moi, je les recycle dans le geyser, là. Du coup, chaque fois qu'ils vont se prendre le jet d'eau, je vais m'assurer qu'il y ait un pieu à la fin qui prenne du dégât. Pourquoi? Pas qu'il dispense. Le Devil, ben, je vais l'essayer à dégâts. Juste, je vais essayer plusieurs enchaînements de pièges après. C'est juste pour le trip. Juste parce que je kiffe. Mais voilà. Je vais pas m'attarder à mon bouclier à Picardie présentement encore. Je vais attendre un petit peu. Attendre un petit peu d'autres fixes, d'autres trucs. Parce qu'on dira ce qu'on voudra. Ça change les aventures Epic Games. Ça, là, il va y avoir des petits bugs, des mises à jour, plein de trucs là, qui s'en viennent. Alors, voilà. Ben non, ben écoute, poulet, j'ai tout le temps farmé, moi, là. Ben, le pieu gris, là, c'est le premier piège que j'ai mis dans la collection, moi, là. Ça, là. Mais regarde, attends, on le voit pas, hein. C'est la petite corde de niveau. Attends, là. J'ai fait comme. Mais non, faut que j'aille à Fontainebleau. Hein. J'avais l'air d'une folle. Le petit niveau 1, là, il a vu rentrer du 137 avec un aventurier. Là, paf, paf, paf. Il n'y avait plus rien sur la carte. Plus d'arbres. Il y avait du bois partout. J'étais pleine. J'étais
C'était vraiment très, très proche de le piocher à mort de moi ta corde, là. Mais sinon, attends. Ah, c'est fini? Bon, ben voilà. Bon, putain. C'est ça. Faut la FK. Tellement AFK que. C'est la solution parfaite. Je le promets, en tout cas, pour moi, vraiment. C'est pour ça, entre autres, que je fais une vidéo, là, YouTube, petit live rapide. Pour mes amis, mettons. De base, pour ceux qui se posent la question, pour le Discord, tout ça. Sinon, si vous avez des commentaires, allez-y, mais je promets que ça fonctionne très bien, tellement trop bien. Là. Ça valait le coup d'attendre. Là, je regarde un petit peu comment ça se passait là, sur Internet. Bon, écoute. J'ai vu des gens tellement mettre de pièges, on dirait qu'ils construisent un enduit dans la mission 160. Écoute, c'est correct les constructions à dégâts, mais du coup, ça prend juste un pieu gris quand tu y penses. Il suffit de réfléchir un petit peu, d'essayer des trucs sans abuser. J'espère que ça va répondre et aider tous ceux qui se posent la question. J'espère. Je ne vais plus jamais entendre ça, les AFK. Écoute, AFK, c'est une façon de dire que tu peux faire une mission sans. C'est une façon d'utiliser, de bien utiliser ton héros. Déjà, le héros, tes affixes de héros, tes pièges, tes trucs. Voilà. Donc, j'ai fait ça vite, je parle vite, c'est simplement pour m'assurer qu'il y a une petite trace du vidéo sur YouTube. Parce que là, pour pas faire de mauvaise publicité, quand même, j'allais changer pour retourner sur mon autre live, en fait. Parce que d'habitude, je suis sur Twitch pour ce qui est de déconstruction. Sauver le monde, tout court, là. Les endurances, tout ça, c'est sur Twitch que je suis en live d'habitude. Et puis là, ben, sur YouTube, je commence, mais de ce que je constate, il y a beaucoup de publicité de gens, de fausses personnes. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Donc, les affixes des pièges, écoutez, en même temps, il faudrait que je mette en commentaire là, mon Discord. Tout ça, je vais. Éventuellement, j'ai pensé, j'ai des schémas de pièges, des trucs. Je vais faire peut-être un petit salon pour les gens qui auront besoin de schémas de pièges. Je peux en crafter beaucoup. Écoute, ça ne veut pas dire que je donnerai les ressources. C'est pas ça que ça veut dire, mais en même temps, il y a des personnes tu sais, qui galèrent un petit peu. Ils commencent, ils kiffent le jeu. C'est long avant d'avoir énormément de schémas. Et comme vous voyez, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir aider ceux qui auront besoin des schémas pour faire la mission, entre autres ce que je vous ai montré là. Ça fera plaisir. Donc, je vais mettre en commentaire, je vais épingler le Discord. En même temps, il ne faut pas s'attendre que c'est pas tout le monde sur le Discord qui craftera ce que vous voudrez ou quoi que ce soit. Il faut rester gentil, respectueux. Ça me fera plaisir si vous m'inscrivez clairement que vous avez besoin de pièges. Ce que vous avez besoin quand j'aurai le temps, écoute, j'ai énormément de trucs. Ça pourra faire déjà du bien à certains joueurs qui galèrent avec. Pareil pour les armes. Ça aussi, ça veut pas dire que. C'est pas des lives PLS, là. C'est juste une solution. C'est pour aider les gens qui auront besoin. Du coup, voilà. Entre autres, le compo d'héros. C'est ça. Je vous la remets comme ça, là, à l'écran. Ça, la seule chose à considérer, c'est que plus jamais en commandant, j'aurai le roi des glaces pour ce type de mission-là. Je ne veux pas les congeler. Je veux les étourdir. Alors, le choix, il est là. C'est un ou l'autre. Lui, il s'en va en soutien. J'alternerai Kyle, constructeur de base, avec ben, les mêmes. C'est un ou l'autre, en fait. Hein? Donc là, ça sera ça. Un ou l'autre, tout dépendamment de l'alerte de mission. Et ben j'ai de retour dans ma compo. Je ne l'utilise même pas pour les enduits. Je fais mes enduits à Ninja, mais là, voilà. Parce que beaucoup, beaucoup. Yo, ça va. Beaucoup, beaucoup de vitesse de rechargement. Là, écoute, quand même, ça me surprendrait qu'on manque de flash muro, mais ça peut arriver. Alors, voilà. C'est ce que j'ai à conseiller. Après, c'est ça. Pour ceux qui veulent le pieu de bois, comment je pourrais dire? Bleu.
J'ai hésité, j'ai essayé un petit peu, là, puis ça peut quand même être surprenant. Dans le sens où je prends pas de chance, je veux vraiment pas qu'ils meurent, je veux juste qu'ils se font un petit peu de bobo là, aux orteils. Oupsie, ouais, le bleu, là, écoute, je l'ai. Mais le gris, du coup, le gris. Comme ça. Tout court de base, là. Je l'ai sorti de la collection, 20 V-Bucks. Ah ouais, bonsoir, la visite. Puis là, ben, la petite ficelle qu'on n'utilise pas à Fontainebleau, là, lui, la petite corde. Et alors, je vous invite tous à aller vous amuser. Le niveau 1, il vient de commencer à jouer, mais il n'a pas compris, là. Moi, je suis rentrée avec mon aventurière puis mon ami, là, puis on a sauvé les survivants, on a fait la mission, mais écoute, il n'a pas compris ce qui se passait, là. Pas en tout. Tu sais, quand tu commences, là, toutes les. Hey, piocher un arbre, c'est-tu long, longtemps, Picax? On se promenait partout, il n'y avait plus rien sur la carte, les aventuriers, tiens, ouais. À grand coup de poing. J'avais le goût de le piocher, lui aussi, genre, donne-moi ta corde, donne-moi ta ficelle, pauvre ami, ça. Mais sinon, ça vaut la peine de demander quand même au petit nouveau, sans abuser, et partager aussi hein, les trucs. Moi, j'ai fini par y écrire dans le chat. T'auras-tu de la petite corde? Il y en avait, j'ai fait des petits cadeaux. Mais sinon, Fontainebleau, je m'attendais pas d'aller farmer là, pour aujourd'hui, pas ce soir. Mais sinon, c'est super AFK, c'est super plaisant. Écoute. J'hésite à savoir. Est-ce que je continue? J'en fais pas souvent du live. Ben, j'en fais jamais, de base. Jamais. Après, là, les boss mythiques. C'est pas moi qui ai le talent. C'était surtout moi qui avais c'était juste ça, là, la connexion, du coup. On va s'en refaire une autre pendant qu'on parle. On va retourner sa FK. Ça, c'est la mission. Là, je vous dis. Clairement, éventuellement, c'est à voir. Là, chaque mission bah, sera à considérer. Là, il y a des façons de chevaucher la foudre. C'est déjà différent. Dans le temps, au début, là, écoute, il y en avait qui abusaient. Là, ça finissait avec quatre boxes. Il y a plein de façons de faire. C'est vrai que c'est plus de structure. Après, quand c'est fait intelligemment, ben, je conseille là, chevaucher la foudre de ne pas la faire toute seule en héros. Là, quand même. C'est déjà chiant à construire, à mon avis, à moi. Mais c'est un petit peu le même principe. Une petite box dans le coin. Il y a plein de façons de faire différentes. Là, aujourd'hui, on se concentre sur la récup de données, s'assurer que ma méthode, là, avant de mettre ça sur Internet comme ça marche, c'est fixe, c'est constant. Du coup, ça l'est. Et puis, là, comme je dis aussi, il y a deux constructeurs, là, je ne vais quand même pas me plaindre, mais sinon, on change simplement la dernière affixe des pièges, les amis. Hein. C'est tout. Parce que normalement, déjà là, il faut s'habituer. Moi, ça fait un petit bout de temps, là, la vitesse, tu mets ton mur, le flash. Après, un, deux, c'est important, le moment où tu vas installer le deuxième. Parce que sinon, tu vas t'en rendre compte assez rapidement, si tu ne l'as pas mis au bon moment, là, ils vont être flashés, mais ils vont taper les murs. Ils ont le temps de frapper les murs, ils vont faire du dégât sur tes murs. Ça, c'est juste de s'habituer à prendre la bonne vitesse. Puis après, des fois, ça arrive, là, moi, mon constructeur, 3-4 abeilles, là, des fois, ça prend du dégât, oups, le flash, il va pas s'installer au bon moment. Bon. Quand je suis toute seule, je suis à l'intérieur de ma récup de données, je me fais des fenêtres. Puis j'installe le piège dans le mur, mais en étant caché. Je me cache. Pourquoi? Je fais mon enduit en ninja? Ben parce que j'ai pas besoin d'être constructeur. J'ai pas besoin de durée de piège. Pas du tout. Ben, pas en ce moment. J'en avais pas besoin, en tout cas. Ben, j'en ai jamais eu besoin. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je n'ai pas parti en peur avec ça. Déjà parce que, bon, ça fait 2 ans, 1 an et demi, je suis dans mon bouclier, moi, là, à faire la même, à tout essayer. Mon enduit est concentré surtout sur le chemin naturel. Ils se pendent, ils marchent tout droit, puis ils vont dans le geyser. Ça a tout le temps été comme ça. De base, toutes mes constructions qui sont. Genre, mon lava, là, c'est constant, mon ami, le lava, c'est constant, constant, constant. Ça prend pas de dégâts, jamais. 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 Après ça, peut-être que c'est arrivé 2 fois. Une petite affaire. Pourquoi? Parce que moi, je les laisse passer, c'est pas bloqué. Ils passent dans le côté, directement dans le geyser. Voilà. C'est tout. Je te montrerai. Ça aussi, j'ai promis, je ferai une vidéo. Mais là, j'ai un blocus, tu sais, un blocus bizarre aux yeux des autres. C'est vraiment.
C'est mon blocus. C'est bloqué sur le côté, pas par derrière. Après, c'est ça. Ils marchent, ils vont dans le geyser, puis je les propulse dans l'autre geyser. Du coup, ils se ramassent l'autre côté de la carte. C'est pas de piège, ça prend pas de durée. Pas de piège. Il y a moins du monde, en tout cas. Mais c'est sûr, regarde, il n'y en a pas de piège, en fait. Puis mes survivants, moi, ne sont pas tous endurants. Je joue jamais avec Harpeur Machiniste en commandant. Mes survivants, le gars l'autre jour, il était tout en dégâts à distance. J'en ai à dégâts. Écoute, considérant le fait qu'il y a le CC Counter, en fait, l'immunisation des carcasses avec les propulseurs, moi, j'ai arrêté ça tout de suite de me concentrer avec la durée des pièges. J'ai cherché le moyen, je cherche encore plein de moyens. C'est pas facile, là. Pas tout. C'est pas genre, moi, je suis Jésus, puis je construis des affaires, là, puis écoute, je me fais niquer, mon ami, puis je recommence, puis. Mais j'essaie, je les laisse spawner, j'évalue déjà où ils veulent marcher, parce que déjà, quand ça passe son temps à briser, des fois, le gros blocus, là, on s'entête au départ à les faire passer dans la cave, puis là, aller prendre le geyser. Regarde, laisse faire ça, là, t'as juste à ouvrir une petite case dans le côté, qui vont briser de toute façon, puis ils marchent tranquille, les autres sont contents. Ils spawnent, ils montent, ils marchent. Je te montrerai ça. C'est quand même complexe. Faut essayer, faut voir. Les vieux Bill. Ah, ouais. Nayan. Ben, écoute, après c'est des. Comment je peux dire? Ces gens-là. Mitch Rob, Nayan, Doomtorm. Écoute, là, tout le monde, là, je vois ça, c'est comme. La hype, hein? Là, tout le monde est revenu, c'est à savoir, là. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Les enduits. Morne-la-Vallée, les gens, ils capotent, les petits nouveaux aussi. Après ça, t'as tous les vieux de la vieille qui reviennent quasiment. Mais c'est le même bouclier qu'on a. Tu sais, c'est ça, il faut considérer qu'on a tous la même bouclier. Du coup, il y a des endroits où on va tous avoir les mêmes structures, ou presque. Ça n'a pas le choix. Chacun son trip aussi. T'sais, moi, il y a des constructeurs, je les regarde construire. Après, c'est pas des constructeurs, à mon avis, là. OK. Bon, là, j'ai GG qui fait tout le travail à ma place. Oh, you sweet! Yee, so sweet! On recommence. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le piège, ça sera. Voilà, on y va. Tiens. J'en ai pas beaucoup des pièges. Hein. C'est tous des schémas différents. C'est bien ça le point. Du coup, il faut que je prenne le temps de bien. De pas me tromper. Impact, vitesse, impact, vitesse. Deux duras pour répéter. Ça sera le schéma qu'on va utiliser pour le propulseur. Ici. Là, je regarde, vois-tu, là, on va faire avec juste une box. J'ai hésité au départ. J'avais l'impression, je considérais qu'il y avait énormément de carcasses dans le spawn. Plus que d'habitude, j'ai eu peur. Il y en a trop dans la box en même temps. Ça, c'est pas bien nettoyé, finalement. On économise les structures. Bon, écoute, c'est comme vous voulez. C'est à votre goût. Comme ça. Pourquoi notre AFK va très bien fonctionner? À cause du pieu qu'on va mettre ici, simplement. Simplement. Tiens, un petit peu de dégâts constants va faire en sorte que jamais ils vont dispawner. Ben jamais, je dis ça. Ils vont un petit peu dispawner le temps que tout se place, là. Ensuite, le flash, ça sera comme on a toujours utilisé. Même chose, ça va toujours être deux vitesses. Tiens. Dura, deux vitesses. Je me répète pour ceux qui n'ont pas capté au début. Je vais mettre la dura parce que déjà, moi, mon constructeur ajoute 17% et j'ai un ami qui joue avec Nox. Du coup, lui, il va redonner du heal au mur. Si j'étais toute seule, ce qui se fait très très bien, je vais simplement utiliser le piège contraire à mon constructeur. Du coup, je me répète, je vais un seulement. Le deuxième sera installé au départ. Après, quand la mission sera commencée, vas-y. Là, avant d'installer le mur ici, déjà, comme c'est là, parfois, là, on se retrouve un petit peu coincé là, entre les structures, là, les montagnes, quoi que ce soit, si jamais vous vous sentez coincé, vous voulez. Ça se fait, ça, moi je le fais quand je me sens comme dans la merde, là. Pas dans la merde, mais trop petit, trop de carcasses, les fracas, les trucs, mettons.
Je vais faire un weak point. Je vais ouvrir ici avant de mettre le mur de son. Faire en sorte que c'est le mur le plus faible d'une certaine façon, là, les zombies. Oui, ça peut influencer le passage. Après, là, on n'a pas vraiment besoin. Ils ne peuvent pas aller très loin. Alors, ce sera deux vitesses de rechargement. Comme ça ici. Vas-y. Après ça ici, c'est bon. On se retrouve à mettre la même chose là. OK. J'installerai ma base. Je vais la mettre ici juste pour pas oublier, étant donné que, comme vous voyez, je parle énormément. Et puis, je pourrais oublier ça. Sinon, je la mettrai sur le plafond, là. En tout cas, peu importe, là. Autant que la base, elle soit ici. Voilà. C'est pas grand-chose. Lui, il est beaucoup plus petit, le build. Il y a certaines fois, là, ça aussi, si, quand on est coincé, ça peut valoir la peine de juste un petit mur de son, des fois, là. Dans le dos, là, si jamais tu te ramasses coincé dans une structure ou quelque chose qui ne marche pas, ça peut valoir la peine. Sinon, là, ici, on est en masse de place. Il y a un fracasseur, il n'est pas coincé, il passe à côté la plupart du temps. Il ne passera pas au travers. Bon, là, on est super pas mal prêt, là, je pense que oui. Hein? Bon, je peux peut-être en abuser, je vais en mettre un. Mais ça serait de l'abus, par contre. Tu peux le faire. Tu peux mettre des murs de son partout aussi. Ce qui est le fun avec la possibilité de faire ça encore, c'est que jamais normalement, tu sais, la box est de côté, en diagonale. Ils se trouvent pas à attaquer directement la mode de ta récup de données. Ils sont pas directement dans ta structure. Déjà là, ça, moi, je trouve ça plaisant, en fait. Même s'il y a un mini-boss qui se pend ou un fracas, tant et aussi longtemps qu'ils vont pas passer au travers de la jailbox et puis tout, tu sais, libérer les carcasses, c'est pas. Pas stressant, sinon j'en ai pas vu aujourd'hui, là. J'en ai vu deux. Fracas, je pense. Ouais. On va préparer. On va l'essayer. Je mettrai pas de pierre de son. Sinon, j'utiliserai. Écoute, je dis ça, puis regarde. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Si c'est pour mettre là, ça sera une vitesse de rechargement en vert. Comme ça. Mais après, je suis obligé. Donc, ok, GG. J'arrête de parler. Je vais juste faire ça comme ça, parce que probablement. Hi! Bon, je vais aller mettre mon deuxième. Jojo est prêt. Hein? Tiens, on va s'installer ici. Ici, je vais pas mourir. Tiens. Quand le piège va se déclencher, on va installer le deuxième. Deux. Un, deux. Tu comptes. Un, deux. Tu mets ton piège. Voilà. Après, là, bon, ça, c'est à pratiquer, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est pour tout le monde. Ah, ouais? Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, putain! T'as-tu vu, GG? Ah, ils sont buggés. Ah, ben, regarde, ça, c'est quelque chose qui se passe que. Bon. Puis, on n'a pas vu encore aujourd'hui. Ah, GG! Look at that! You see that? Il est où, GG? Ah! Oh! Oh! Ah, ils sont transparents! C'est ça l'affaire! Mais sinon, moi, je vais aller me sacrer dans le truc, là. C'est pas grave. Vas-y. Ils vont s'en venir. Ah, ça, c'est des. C'est parce que j'ai pas de wise bot. Je suis jamais sur YouTube, moi. Puis là, ben, je gère pas mon live. Fait que tu vois. C'est à moi de les envoyer. Ça, c'est des trucs. Je sais pas après. C'est pas grave. Là, il faut savoir qu'on va avoir encore une vague. Fichier 3, fichier 5. Il va encore avoir des carcasses qui vont s'en venir. C'est pas de la faute à personne. C'est fait comme ça. Vas-y. Là, j'ai peut-être. J'ai-tu manqué de la du. Je pense que j'ai. Ouais, non. Ça, tu le sais tout de suite quand tu mets pas ton flash au bon moment. Là, il tape ses murs. Bon, ça c'est la faute du joueur. Là, j'ai senti tantôt que je n'étais pas à fixe dans mon temps. Là. Sinon, c'est pas plus grave. Je vais aller cliquer sur mon truc puis aller supprimer ce que tu me dis. Là. Ouais. Ok, fichier 5 aussi, comme je dis, il va y en avoir qui vont s'en venir. Du coup, faut pas stresser, ça s'en vient encore, petite vague. Mais là, il s'est quand même passé, je sais pas, peut-être que ça sera la première qui. Je l'ai pas construit, j'ai regardé ça aller. J'aurais quand même utilisé deux box, comme je dis.
J'aime plus ou moins l'idée de une box par rapport au fait qu'ils sont énormément, ils sont beaucoup plus qu'avant. Ça, tu sais, écoute, ils deviennent transparents. On a quand même des petits bugs de jeu là, qui existent. Je me sens plus craintive à toutes les mettre dans le même truc. Ça suffit. Tiens, le 5, voilà, le fichier 5, il y en a quelques-uns. On va les voir un petit peu sur la carte, là. C'est pas terrible, mais il y en a. Bon, ils vont s'en venir, voilà. Après ça, on devrait être correct. Sinon, ben écoute, si on a un mini-boss ou quelque chose, ça serait bien. J'aimerais quand même voir comment ça se passe. Je vais pas tirer dans la box tout de suite, là. C'est sûr que non. Sunshine. Sunshine qui va s'en tourner après celle-là. C'est la dernière fois que je l'ai dit. J'en fais deux, là, puis je m'en vais sur Twitch. Après, ben ça me fera pas. YouTube, ils m'aimeront pas, là. Mais, voilà. Voilà. Après, ben, c'est ça. On discute, on est AFK. Je sais pas, j'ai déjà été partout. Je sais pas. Aucune idée. Pas grave. Oh, le chien. Ben, le chien de Star, vous okay. Il y en a beaucoup qui vont préférer pas mettre la base sur le plafond parce qu'ils vont jouer leur chien de Star comme ça. Mais je pense que j'ai pas mis mon chien de Star une fois aujourd'hui. Mais je me rappelle il y a des constructeurs, mais en tout cas, moi, mon ami venait fourrer dans la tête. Si je mettais ma base sur le plafond, puis il pouvait pas mettre son champ de stase. Après, YouTube, c'est comment? C'est comme ça? Il n'y a pas de vrai monde? C'est juste la merde qui s'écrit ou les pubs? Ah ouais? Ah ben, putain. D'accord, mais. Ouais. Il y en a pas. Voilà, épinglé le message. Ok, je fais des blagues plates, du coup. Là, ben, comme on est AFK, c'est ce que je dis. Là, regarde, ça va très, très, très bien. Et du coup, il se passe à rien. T'es obligé de parler avec moi, de m'écouter, en fait. C'est effrayant, hein, sérieusement. Pour vrai, ça, je kiffe l'autre communauté. Je dis pas que c'est pas bien, YouTube, mais je préfère regarder. L'autre communauté, déjà, c'est plus des vrais gamers, des joueurs, des vraies personnes. C'est moins nombreux, mais c'est des personnes qui viennent te voir sur tes lives, on discute, on a du fun, tu sais, c'est. Je sais pas. Ben, ben, ben différent. Mais je peux pas juger tant que ça, parce que bon. J'en fais pas. J'en fais pas du live, dans le fond. Ça, c'est plus pour m'assurer d'avoir la vidéo pour mes amis en même temps. Bon, ça va être sur la chaîne. J'aurais pas besoin de tout recommencer. C'est pas pour un grand public, là. Après, tant mieux s'il y a des gens qui l'écoutent, mais c'est pas du vidéo professionnel, quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour mon petit monde à moi, le Discord, bon, ceux qui se posent la question, ceux qui vont me poser la question 100 fois. Après ça, tu peux revoir les pièges. Tu sais, c'est. Mais le live, shit, comme le boss mythique, on se comprend, c'est pas un petit. Une belle visibilité, mais c'est pas comme si. Ah ouais, Sunshine, wouhou, à Carrie le mythique, bordel! Pour moi, je construis, moi. Voilà. Non, c'est pas mon type de. J'aime les jeux comme ça. Genre, on va vraiment se tuer, mais pas construire des tours. Non, comme le BR, hein, c'est pas capable. J'aime pas ça, c'est pas mon type de jeu. Puis le mythique, ben, le mythique. Faut-tu le pratiquer, hein? Dans le sens où. Le même principe que le gars qui fait que du carry de mythique, c'est bien rare qu'il va venir construire mon enduit, mettons. Hein? Bon, chacun son. Ah, on est rendu 12. Bon, ben regarde, écoute, c'est pas de la FK, ça, je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est ça. Même que tantôt, j'ai peur qu'on se fasse kicker ici. J'ai dit, putain, moi, puis lui, on. AFK solide, là. On s'occupe pas de la mission. Fait que là, j'ai dit, Chris, c'est comment ça? Ça se fait tout kicker, ça va être moins le fun. Mais 160 qui se sont fait, en discutant, ou en regardant la télé, ou mon ordinateur. Aussi. Puis sûr qu'il y en doute, ben suivez-moi, venez-vous-en, on va s'en aller sur Twitch, je vais continuer le live. Là, ça, c'est les récup de données. Éventuellement, il va falloir. Ça va être le même principe quand même, le même piège au sol. Sauf que la construction va être différente. Parce que ça, même la récup de données, tu peux faire ta jailbox juste l'autre côté. Il y a peut-être une façon, tu vas voir ça déjà. Même j'ai vu certaines vidéos. Là. Il y a tous les anciens joueurs les anciens joueurs. Ceux qui ont l'habitude de ça, là. Ils vont faire plein de vidéos, plein de trucs là. Tu vas revoir venir les idées, les builds, les trucs. Moi, je vous dis juste, c'est une question de piège.
Allez pas mettre toutes sortes de pièges là-dedans. Là. Juste un petit piège de sol. Petite affaire de dégoût, un petit peu. Les affixes des pièges sont bons. Après, si tu le mets au bon temps, 1, 2. Si tu mets les deux au début, ça ne marchera pas. Ils vont se déclencher en même temps. Ça prend pas deux constructeurs, mais là, on est deux joueurs. Fait qu'on n'est pas con, on recycle du métal. Je répète aussi pour les gens qui... Ben, après, du coup, poulet, il y a juste toi. Sinon, le reste, c'est des marionnettes ou des je sais pas. Des trucs. Sister, ouais. D'après moi, Sister Online, on sait ce qu'ils font, hein? Ah, ouais. Tiens. Là, demain, peut-être. Écoute, là, je fais ça vite comme ça. Puisque je veux aller faire d'autres choses aussi. Demain, c'est de quoi, là, quand je serai tranquille, je prendrai le temps de faire une petite vidéo. Je parlerai calmement, je montrerai tous les trucs calmement. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Fait que, voilà. C'est la Sunshine, c'est pas professionnel. Je parle beaucoup, je vous explique ça. En gros, c'est rapide, mais c'est complet. C'est ça. Parce que sinon, moi, je trouve ça. J'aime bien qu'on m'explique. Dans les vidéos, souvent, ce que tu vois, c'est les ninjas. Où les joueurs ils se promènent, ils piochent un petit peu partout, ils donnent des coups d'épée. Ils expliquent jamais pourquoi ils font comme ça. Et ça, moi, je vous l'ai expliqué, c'est beaucoup de mots d'information, mais c'est pour ça. Et je vais aussi l'utiliser dans les boucliers. Pas partout, là, mais je vais abuser à certains endroits, je vais abuser. Les geysers, il y a certains endroits là, que là, ils ont tendance à glitcher, genre, ils restent comme coincés sur des certaines. Un mur, genre le dessus du mur, une petite structure, un petit plancher. Là, du coup, ils restent pris. Ils sont figés là. Là, ils vont dispawner. Fait que ça, c'est non. Je veux pas qu'ils dispawnent. Moi, je veux pas. Surtout sur des amplificateurs que je. Bon. Même. Je dis ça, c'est un conseil, parce que moi, mes amplis sont conçus pour les fracasseurs. Fait que c'est pas grave. Ils peuvent courir partout. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout. Pour moi, là. Bon, ben, écoute donc. Voici, voilà. C'est ça. Fait que là, c'est 47 minutes, deux missions. Mais écoute, ça, tu rentres, là, tu fais ça, puis tu sacs ton camp, là. C'est pas si compliqué. Vraiment, c'est tout le monde est capable d'avoir les schémas. C'est un seul à projection, un flash. C'est tout à pareil. Tout le monde est capable d'avoir ça. Les héros, écoute, les constructeurs déjà, tout le monde devrait avoir ça. Si t'es rendu, surtout en 160, mettons. Donc, mes bases d'endurance sont full AFK. Ben écoute, là, j'en ai deux. C'est ça, Fontainebleau, Mont-de-la-Vallée. Villeplanche, oui. Mont-de-la-Vallée, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais faite. Fait que là, ben, comme tu vois, je travaille dessus, tu l'as vu. Là, j'ai pas retourné fixer, j'ai pas réessayé. Puis, ben, endurance à Picardie, moi, là, le devil, il est brisé, tout ça, j'ai des amplis, ils n'ont pas de construction. Fait que, après, j'avais des problèmes avec certains bugs dans ma base. Et puis, ben, pour ceux que ça intéresse, c'est réglé depuis qu'ils ont fait la mise à jour, j'ai plus de bugs. Moi, j'avais comme un putain de problème avec des sous-sols, c'était comme une zone. Chris, il partait quasiment dans le coin de la carte pour aller là pour rien, genre, en tout cas, c'était la merde. J'ai pété un câble, moi j'ai arrêté. Là, puis encore, je vais attendre. Encore. Il y a plein de bugs, il y a plein de trucs, ça s'en vient. Quand ça fait longtemps que tu joues, tu vois ça, là, déjà, là, regarde les carcasses, les fracas, les missions 160, les spawns. Quand ils ont fait la mise à jour, ils avaient abusé. Je veux dire, nos murs étaient en papier, genre. Bon, moi, j'ai pas trouvé que c'était représentatif d'une mission 160, simplement. Avec trois constructeurs, déjà le mur, c'était pas supposé se passer comme ça. Du coup, j'en ai parlé beaucoup, je me suis fait poser 100 000 questions, je me suis quasiment chicanée avec les gens. Mais moi, j'ai attendu, je suis satisfaite. J'ai attendu, j'ai réfléchi, j'ai pas été jouer en public, là, je vais dire, j'ai rien contre ça, mais j'ai regardé ce qui s'est passé un petit peu sur les lives, j'ai vu, dans le fond, une communauté de joueurs. De tous les niveaux, complètement viré fou avec ça. En fait, c'est ça. Éviter le dé pour pas qu'il dispende. C'est pas des projetés de. Il faut simplement s'assurer qu'il y ait toujours du dégât constant, sans les tuer.
pieux gris. Pieux gris. Alors, c'est bon, ben, je vous laisse là-dessus. Sinon, ben, comme je dis, mauvaise publicité pour YouTube, mais je m'en vais sur Twitch. Donc, je vais juste changer le truc. C'est à vous, si vous voulez suivre. Écoute, voilà. Ah, GG. Now, I'm gonna end YouTube live. Just Twitch for Twitch. And after, not sure. We're gonna. What you wanna do? What do you wanna do? Ok, ben goodbye tout le monde. Voilà, c'est comme ça. S'il y a des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Posez-moi-les. Tant que si longtemps que c'est respectueux ou pas, peu importe. Sinon, comme je dis, pour ceux qui auront besoin peut-être de chez moi, je vais mettre en commentaire les liens. C'est juste pour ceux qui sont plaisants, gentils, qui auront vraiment besoin d'aide. Après, pour des conneries, je le dis déjà, ça. Vous pouvez vous abstenir. Bon, on se revoit plus tard. Merci, puis poulet. Ben écoute, éventuellement, là, je m'en vais sur Twitch si tu veux continuer à regarder. Il me reste une 160, puis après, je vais sûrement aller briser des affaires puis recommencer des affaires, là, comme d'habitude. Bon, je ferme celui-là, je change. Goodbye. Merci, YouTube. Je vais faire un petit truc plus affixe ou professionnel demain, peut-être, ou après-demain. Tantôt, ça marchait pas, les vidéos. Ça voulait pas enregistrer.